Savine-le-Lac est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur les rives du lac de Serponçon, au pied du massif du Grand Morgon. Ses habitants sont appelés les Savinois. Localisation Savine-le-Lac est située à une trentaine de kilomètres de Gap, 26,3 kilomètres à l'est à vol d'oiseau, chef-lieu du département des Hautes-Alpes, au cœur des Hautes-Alpes. En zone périphérique du Parc national des Écrins. L'altitude de la commune est comprise en entre 718 mètres, point immergé sous les eaux du lac de Serre-Ponçon, et 2270 mètres, près du pic de Morgon. Le bourg lui-même est situé entre 782 et 840 mètres d'altitude. L'ING fixe les limites altitudinales de la commune à 775 et 2260 mètres. Cette commune sont limitrophes de savines le lac Croix-Prunière, puis saint uzèbe puis Sanière, Réallon, Saint-Apollinaire dans le département des Hautes-Alpes, ainsi que Ponty dans le département voisin des Alpes-de-Haute-Provence. La commune est traversée par la route nationale 94 reliant Gap à Embrun, à Briançon et à l'Italie par le col de Montgenèvre. Plusieurs autres routes départementales traversent la commune, desservant un quartier en rive gauche de la Durance, la route départementale 954 relie la route nationale 94 aux Sauze du Lac et à la vallée de l'Ubaï, le Losé Ubaye, Barcelonnette. Depuis cette route, une départementale 208 et dessert le près d'Emeraude et un camping, une RD468 et remonte un torrent au sud du chef-lieu de la commune. En rive droite, la RD-41 continue vers Réalon. La RD 541 vers Saint-Apollinaire, et la RD 641 vers puissant uzèbe et Puissanière. Une partie de la RD 9, liaison de Chorge à Embrun par Réalon, passe au nord de la commune. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous les formes Girodus de Sabina, en 1173 dans le cartulaire d'Oulx, Mandamentum Sabina en 1316, Capellanus de Sabina en 1361, Locus de logis juxta Barnafred et Cunium en 1428, Cogné de Savina en 1728 dans les archives du château Picontal, La Charriera en 1783. Celsius est un toponyme récent lié à l'auberge qui marquait ce lieu et qui vit se développer un hameau dénommé Le Cognet, Le Cognet devint La Charriera à la route, pour se voir ultérieurement nommé Savina, Savine. Ce nom peut venir de l'Occitan Sabina qui désigne une sorte de genévrier, ou du nom de la tribu gauloise des Savincassi qui habitèrent le lieu, ou une variante de sapine, lieu planté de sapins. Savina d'Olo, en Occitan ou alpin. Le lac est un ajout récent lié à la création du lac de Serponçon. Histoire. En sept siècles d'existence, Savina a changé deux fois d'emplacement. En 1282, Rodolphe de la Font de Savine prêta hommage au dauphin des terres du mandement de Savine. À cette époque, le premier village était situé en rive droite de la Durance, au fond du torrent de Rialon, à l'actuel lieu dit la paroisse, où se trouvent encore les ruines de l'ancien château des comtes de la Font de Savine, et celle de la première église paroissiale. Ce premier village fut abandonné sous la Révolution à cause des ravages du torrent de Rialon. Un bac permettant de traverser la Durance est attesté au XVe siècle. Établi sur la rive gauche de la Durance, le second Savine fut détruit le 3 mai 1961 pour les besoins de la construction de la retenue de Serponçon. Il était situé sur la rive gauche de la Durance au lieu-dit La Charrière. Il datait des années 1825. Le nouveau village est ainsi renommé Savine le Lac. La mise en eau de la retenue et l'évacuation des habitants de l'ancien village de Savine inspirèrent en 1958 le film L'eau vive de François Villiers, d'après un scénario de Jean Giono. La chanson homonyme L'eau vive, chantée par Guy Béard, est devenue un classique de la chanson française. Le mandement de Savine le lac. Historique. Dans cet espace géographique, l'éco-seigneur de Savine, puis le seigneur unique, exerçaient leur pouvoir. Les limites ne coïncident pas avec celles du canton actuel. Dans ce terroir, plusieurs communautés d'habitants sont, peu à peu, devenues indépendantes, gardant de la dépendance initiale une certaine utilisation comme des pâturages et des bois. De ce fait, les règles et usages communautaires résultent davantage des contraintes montagnardes et de la pesanteur historique que d'une volonté délibérée. Le mandement de Savine, qui couvrait la totalité de la seigneurie du même nom, érigé en marquisat par Louis XIV en janvier 1715, comprenait les communes de Savines, Réalon, Prunière, puis Saint-Uzèbe et Saint-Apollinaire. Ces communes possédaient en Indivis les montagnes pastorales et les forêts situées sur leur territoire. L'ancienneté du mandement est attestée par un acte du mois de mai 1235, par lequel il s'allie, vu l'insécurité des temps, aux habitants d'Embrun. Nous connaissons la vie de cette association de communes surtout par les luttes et les procès qu'il a menés pour conserver son originalité et ses propriétés contre ses voisins, en Embrun en 1297, les Crottes pour la forêt de la Magnane, le domaine royal en 1699, 1733, etc. Cependant de nombreuses difficultés ayant surgi entre les communes associées pour la jouissance des pâturages. Dès 1885, plusieurs projets de partage furent élaborés. Celui de 1884 n'ayant pas été accepté par toutes les communes. L'affaire fut portée devant le Conseil de préfecture puis devant le Conseil d'État, qui rendit son arrêté le 9 février 1906. Un accord définitif intervint le 8 octobre 1909 qui règle le litige et fixe les statuts mandementaux. Les forêts restent en indivis au sein du mandement. Mais les montagnes pastorales sont attribuées aux communes par tirage au sort. La commune de Rialon reçoit les montagnes de Charge et de La Baume, les communes de Prunière, puis saint uzèbe et Saint-Apollinaire, les montagnes de Lagardate et Savine, les montagnes de Vieille et Ressa. Ainsi s'explique le fait que Savine le lac possède des pâturages sur le territoire de la commune de Rialon. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Le syndicat des communes du mandement de Savine le lac possède environ 965 hectares dans les forêts de Morgon, Célette et Pré-Martin, et la moitié de la forêt de la Magnane d'une superficie d'environ 432 hectares, indivise avec la commune de Croix. Ces forêts exploitées et soumises au régime forestier sont gérées avec le concours de l'ONF. Le lac de Serponçon est un lac artificiel situé dans les Hautes-Alpes, dans le sud des Alpes françaises. À la limite des départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Il a été créé en 1959 par la construction d'un barrage sur la Durance, 2 km à Laval de son confluent avec l'Ubaï. L'aménagement hydraulique est complété par le lac d'Espinasse, situé au pied du barrage de Serponçon, à partir duquel est alimenté le canal EDF de la Durance. L'établissement du plan d'eau nécessite le déplacement de plus de 2000 personnes et la destruction de plus de 400 immeubles. Deux villages disparaissent sous les eaux, Savine et Ubaye, ce dernier n'étant pas reconstruit. Pour la première fois en France, les pouvoirs publics prennent des dispositions permettant d'indemniser les expropriés pour le préjudice subi et non seulement au titre de la valeur du bien exproprié. Le réseau de communication est également fortement affecté et cela entraîne la construction de nouvelles routes et voies ferrées. Achevé en 1959, l'aménagement hydraulique permet de contribuer à la régulation des crues de la Durance, à l'irrigation de la Provence, et il produit également de l'électricité. Le plan d'eau est par ailleurs devenu un lieu touristique important pour l'économie de la région. Première tentative. Dès le 19e siècle. Notamment après les crues dévastatrices de 1843 et 1856, la construction d'un barrage est envisagée. Le service des ponts et chaussées de l'époque étudie deux sites, l'un à l'amont d'Embrun, l'autre étant déjà le défilé de Serponçon, qui réduit à environ 150 mètres de largeur, le lit majeur de la rivière, à l'aval du confluent de Lubaï, autre gros torrent aux crues violentes. Toutefois, les sondages entrepris à Serreponçon révèlent la présence d'une importante couverture d'alluvions, où l'établissement d'un barrage maçonné est impossible, puisqu'il est impossible d'atteindre la roche dure sous les alluvions tapissant le lit majeur pour y fonder un ouvrage. Les sécheresses de 1895 et 1896 font à nouveau ressentir la nécessité d'un aménagement hydraulique. De 1897, de nouveaux sondages sont réalisés qui ne permettent toujours pas de trouver une assise rocheuse au milieu du défilé. Yvan Wilm, ingénieur des ponts et chaussées d'origine alsacienne, propose la construction d'un barrage poids et à partir de 1909, il en présente plusieurs variantes, enrochement, maçonnerie, béton. La même année une demande de concession est déposée par la Société pour la régularisation de la Durance, en vue de créer un barrage au lieu d'Isserponçon. Mais le projet est rapidement abandonné en raison de ses difficultés techniques, la mauvaise qualité apparente du rocher des versants, un calcaire en petits bancs diaclase, séparé par des lits marneux, plus ou moins fracturés notamment en rive gauche, et l'épaisseur des alluvions garnissant le fond de la vallée, estimée à 110 mètres. En 1912, un puits et une galerie d'études sont forés dans le rocher en rive droite. La galerie a été arrêtée par une grosse venue d'eau thermominérale à 60 degrés Celsius et l'étude a été interrompue. En 1912, toujours, l'ingénieur Willem publie un ouvrage sur l'intérêt du barrage. Douze nouvelles campagnes de sondages sont menées jusqu'en 1927 et concluent à l'impossibilité de construire le barrage en l'état des techniques et moyens de l'époque. Ces sondages sont menés sous la direction d'une commission géologique présidée par l'ingénieur des mines Pierre thermier. Cet acharnement, malgré les éléments défavorables révélés par les études, est justifié par l'intérêt du site, c'est la zone la plus étroite de la vallée et l'ouvrage ne serait donc pas démesuré, la zone où le lac serait établi est peu habitée et donc peu coûteuse à maîtriser, et enfin le site se trouve juste à l'aval de la confluence avec l'Ubaï, cours d'eau déterminant pour disposer d'un apport d'eau suffisant, alors que s'impose l'idée d'utiliser le barrage pour produire de l'électricité, et pas seulement pour maîtriser le régime des eaux et permettre d'irriguer la basse vallée. Quoi qu'il en soit, s'il avait été réalisé, le barrage envisagé à cette époque aurait eu de bien moindres conséquences pour la vallée de la Durance que l'ouvrage que nous connaissons aujourd'hui. Avec un barrage de 50 mètres de hauteur soit deux fois et demi moins haut que l'ouvrage actuel, le lac n'aurait même pas touché l'ancien village de Savines, aujourd'hui noyé. Progrès technique et nouveaux projets. Aux États-Unis, les études de Terzaghi sur les grands barrages en terre longtemps jugés dangereux, une trentaine de ruines en une centaine d'années, avaient permis la construction rationnelle et sûre de ces ouvrages, en France. La possibilité d'un aménagement hydroélectrique du site a relancé les études en 1946, par EDF maître d'ouvrage, et le bureau d'études Coyne et Bélier, maître d'œuvre. Ainsi, le barrage projeté aurait quatre fonctions principales écrètement des crues, production hydroélectrique, tête de l'aménagement hydroélectrique de la vallée de la Durance et irrigation agricole, ce qui justifiait largement sa construction. Il a eu ensuite une fonction accessoire devenue importante, l'aménagement touristique de sa retenue. En 1950, EDF organise un concours d'idées qui débouche sur les principes d'aménagement suivants. L'importante épaisseur de la couche d'alluvion interdit la construction d'un barrage en béton. Cette couverture perméable peut être rendue étanche au moyen d'injections de ciment le barrage peut être réalisé en terre. Les équipements techniques peuvent être installés dans des cavités creusées dans le rocher des rives. Des compléments d'études géotechniques ont permis de tracer le profil en travers du verrou, montrant que la profondeur maximum du rocher est de 105 mètres. Un grand barrage en terre était envisageable, mais il fallait tout d'abord injecter sous le barrage un large et profond rideau d'étanchéité dont les alluvions sablo graveleuses et les éboulis de pente, compte tenu des dimensions du barrage, ce rideau devait être entièrement et définitivement réalisé avant sa construction puisqu'il ne serait plus possible de le compléter et, ou de le renforcer, la moindre fuite étant susceptible de compromettre la sûreté de l'ouvrage. Le succès au lac noir du procédé des forages d'injection équipé de tubes à manchette garantissait que le contrôle rigoureux du rideau serait possible au fur et à mesure de son avancement. Déclaration d'utilité publique. Le barrage est déclaré d'utilité publique par une loi du 5 janvier 1955, dans le cadre de l'aménagement de la durance. Les aménagements de la durance, dont le barrage de Serponçon, sont concédés à EDF par un décret du 28 septembre 1959. Le cahier des charges de la concession est approuvé, par un décret le 26 septembre 1961. Construction du barrage. Construit d'avril 1957 à novembre 1959, le barrage est un massif en terre haute de 223 mètres, long de 125 mètres en pied et de 600 mètres en crête, et large de 650 mètres à la base dans le sens du lit, d'un volume total de 14 millions de mètres cubes, pour l'adapter à une irrégularité morphologique et structurale du versant gauche, courbe d'ancien méandre encaissé, sa crête est concave vers l'amont. Le massif est constitué de graves sableuses prélevées en aval dans la plaine alluviale d'Espinas. Ces talus à pente d'environ 20 degrés à l'amont et 25 degrés à l'aval sont protégés par une couche superficielle d'enrochement épaisse d'environ 1 mètre. Le noyau étanche est constitué d'argile prise sur place et préalablement épuré. Il comporte sur chaque face un écran filtre anticontaminant et sur la face aval, un écran drainant prolongé jusqu'au pied aval. Le rideau parafouille injecté d'argile colloïdale selon le procédé des tubes à manchette, prolonge le noyau jusqu'au substratum à 105 mètres de profondeur. Le cœur du barrage est constitué par son noyau étanche, c'est lui, en continuité avec les voiles d'injection dans le fond du lit de la rivière et dans les rives, qui assure véritablement la retenue des eaux. Le volume du noyau n'est que de 2 millions de mètres cubes. Les douze autres millions de mètres cubes constituent les épaulements à l'aval et à l'amont du noyau, qui n'ont pour fonction que d'étayer celui-ci. Le voile étanche dans le substrat est réalisé après divers essais, en injectant verticalement un mélange d'argile et de coulis de ciment. Les essais d'injection ont débuté en 1951. Le rideau a été achevé et contrôlé en 1955. La perméabilité obtenue est dix mille fois plus faible qu'auparavant. Sous la charge maximale du plan d'eau, le volume de fuite attendu n'est que 2,25 litres par seconde, et la cohésion des matériaux ainsi traités est telle que le forage de galeries a ensuite nécessité l'emploi d'outils pneumatiques. Cette coupure étanche est prolongée par précaution dans les versants rocheux rives, permettant d'offrir un raccordement complet avec tout le développement du noyau étanche du barrage. Le voile étanche nécessite l'utilisation de 10 000 tonnes de ciment et de 20 000 tonnes d'argile pour étancher 100 000 m3 d'alluvions. Les matériaux sont prélevés sur place par mesure d'économie, leurs caractéristiques géotechniques étant bien connues grâce aux nombreuses études préalables. Le noyau est réalisé avec des matériaux à forte composante argileuse prélevés dans les pentes et dans le cône de déjection du torrent des Lyonnais, en rive droite de la Durance à l'amont immédiat du site du barrage. Les autres matériaux sont prélevés juste à l'aval du barrage, ce qui offre l'avantage supplémentaire de permettre de creuser le bassin de compensation de l'usine, d'un volume de 6 millions de mètres cubes, destiné à laminer les débits de pointe de la future usine. Les matériaux sont mis en œuvre par couches de 50 à 60 cm avant compactage qui font l'objet d'un hersage pour supprimer les petits blocs, lesquels sont réemployés pour réaliser un matelas de protection contre l'érosion météoritique en parement aval. Cinq pelles électriques, dont deux sont munies de godets de 5,25 mètres cubes, suffisent à réaliser les terrassements. Elles alimentent une noria de camions composée de 33 semi-remorques d'origine américaine Euclide, d'une capacité unitaire de 20 mètres cubes au rythme de cinquante tonnes d'argile du noyau et de vingt mille mètres cubes deux graves du massif par jour. Le chantier occupait environ trois personnes, pour l'essentiel, conducteurs d'engins, dragues, pelle, bouteurs, chargeurs, dumpeurs, compacteur, niveleuses, de deux heures du matin à dix heures du soir, l'arrêt de quatre heures étant nécessaire à l'entretien des engins. Ouvrage annexe. La centrale électrique, l'architecte Jean de et des deux gens prouvés, est installé dans deux grandes chambres au rocher sur la rive gauche. Tous les ouvrages, annexes, galeries, chambres des vannes, salles des machines, postes de transformation, sont en effet installés en souterrain dans le rocher de la rive gauche, dont les excavations représentent 40 000 mètres cubes. Deux galeries au rocher de 900 mètres de long et 10,5 mètres de diamètre. Sont préalablement forées en rive gauche pour assurer la dérivation provisoire de la rivière. Dès le début des travaux, elles ont étalé la crue du 14 juin 1957, 1700 m3 par seconde, particulièrement catastrophique en amont dans la vallée du Guil. Ces galeries de dérivation provisoire sont ensuite incorporées à l'ouvrage pour servir de vidange de fond et d'alimentation des turbines, car elles sont raccordées aux conduites forcées de celles-ci. Et équipé de vannes de dévoiement de 14 mètres carrés. Cette disposition particulière a été retenue pour empêcher l'envasement des vidanges de fond en maintenant en permanence un flux d'eau. Or, le volume de matériaux fins apportés par les cours d'eau alimentant le lac du barrage est estimé à 2,5 millions de tonnes par an. Ces vidanges de fond offrent une capacité d'évacuation de 1200 mètres cubes par seconde. Outre les vidanges de fond. Une galerie d'évacuation supplémentaire de 9,5 mètres de diamètre offre une capacité supplémentaire d'évacuation de 2000 mètres cubes par seconde. Enfin, la protection du barrage contre la surverse est assurée par une revanche, différence de hauteur entre le plan d'eau et la crête de l'ouvrage. De 8 mètres, soit une capacité de stockage exceptionnelle de 250 millions de mètres cubes. La salle des machines compte quatre groupes turbo-alternateurs capables de turbiner chacun 75 mètres cubes par seconde pour produire de l'électricité. Le bassin de compensation a été aménagé dans la fouille d'extraction de graves d'Espinasse, barré à l'aval par le pont barrage de la RD 900, fondé sur un rideau de pieux séquents, ancêtre des parois moulées. C'est un barrage en béton au fil de l'eau équipé de quatre vannes permettant le passage des grandes crues et assurant la prise du canal de Curban, premier bief de l'aménagement hydroélectrique de la Durance. Inauguration. Le barrage ne fut pas inauguré, en raison de la guerre d'Algérie. Alors que sa construction fut achevée en 1961, le général de Gaulle qui devait présider la cérémonie de lancement n'a pas pu remplir cet office. Pourtant l'ouvrage était à l'époque le plus grand barrage Europe en capacité.